c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Enfin, beaucoup de difficultés. Il y a toujours des difficultés dans la vie. Jouer au foot en étant une fille quand j'étais petite, c'était pas encore très commun, très développé, en France en tout cas. Quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, c'est vrai que souvent, les équipes adverses ou les garçons se disaient « Ah, ils ont une fille, ça va être facile, elle va être nulle. » Et puis finalement, ça me faisait rire puisque moi, j'avais mon équipe derrière moi, ils étaient tous à fond derrière moi. Et puis très souvent, on gagnait les matchs et j'étais finalement au niveau des garçons sans problème. Donc voilà, après les difficultés que j'ai vécues, toutes les joueuses l'ont vécu, je pense. Et ce sont des choses qui nous forgent également. Ensuite, c'est vrai qu'en grandissant, faire les deux, combiner le foot et les études, beaucoup pensent que ça peut être difficile. Finalement, personnellement, je pense que c'était la meilleure chose à faire. C'est aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus fière parce que je suis capable de jouer au foot aujourd'hui. En même temps, de faire quelques missions, on va dire, dans le secteur juridique, ce qui me plaît beaucoup également. Devenir avocate, c'est un peu comme une vocation, assez jeune aussi. Je n'ai pas forcément d'explication, j'ai voulu faire plusieurs métiers, mais avocate, c'est venu assez tôt. Je sais que j'ai aussi voulu être présidente de la République, mais bon, voilà. Et après, je me suis arrêtée sur avocate. Et quand il a fallu faire un choix au lycée, j'ai poursuivi dans cette voie-là puisque j'avais l'instinct que c'était la bonne chose. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis presque arrivée et je suis ravie d'avoir suivi ce chemin. Le plus gros cadeau que m'a fait le foot, la chose que le foot m'a le plus apporté, je pense que ce serait l'opportunité de rencontrer des gens de diverses cultures, de voyager pas mal aussi. Et du coup, d'apprendre beaucoup de choses sur le monde extérieur. Et puis, bah, forcément, le foot, c'est aussi une école de la vie. Ça apprend beaucoup de valeurs. Et ça, c'est sûr que c'est une chose que j'apprécie beaucoup.